part de la démocratie. Kaelé ñu and ligé suñu dëkk. Football khafi khayni bainal mashrih ya len gën ya len bokiri sa toll sal bu bes bi ñi loué fi ci gaayé 2 salu khalifa ababakar ngir sen séminaire sen réunion sen conférence sen fête sal bi nak mëna and ak restauration ak hébergement ngir sen gan yu tapo sal bi amna sonorisation am wifi am vidéoprojecteur am caméra ngir couverture médiatique sen événement soren ko xola rek contacter le 78 606 27 48 Chers téléspectateurs de BTV, bonjour. Aujourd'hui, dans votre émission Décryptage, nous allons traiter le débat électoral. Ce débat électoral donc, a pour invité deux protagonistes, l'un appartenant à la mouvance présidentielle, l'autre à l'opposition. Vous savez que l'opposition a fait une percée extraordinaire qui a déstabilisé la mouvance présidentielle. La mouvance présidentielle est représentée ici par le professeur Cis et l'opposition étant représentée par M. Mbacké Diop. Avant d'entamer le front décisé, je les laisse se présenter et dire à quel titre sont-ils là dans l'émission de BTV. Donc sans plus tarder, nous allons demander au doyen professeur Cis de se présenter et de dire à quel titre il anime cette émission avec la BTV. C'est un grand plaisir, c'est le professeur Momadou Cis. Je suis chargé des structures du renfort de Richard Toll, une structure qui est démembrement d'Ibeno Bokoyakar, un mouvement de soutien qui a été mis sur pied par un groupe d'intellectuels et de républicains, pour ne pas dire de sages, qui ont eu à prendre l'initiative d'étudier la situation du pays et de mettre sur pied ce mouvement qu'on appelle Rencontre nationale des républicains pour le travail. Le responsable moral, le président, c'est M. Alioune Sall. Et ce faisant donc, mon parcours politique maintenant, c'est connu de tout le monde dans la zone en tant que responsable depuis le parti d'Abdoulaye Wade, ensuite le réuni de Idriss Essek. Aujourd'hui, nous sommes dans le renfort pour appuyer la politique du président de la République, Macky Sall. Merci, professeur Cis. Je reviens sur vous tout à l'heure. Monsieur Mbacké Diop, vous représentez l'opposition. Après vous avoir présenté, donc à quel titre vous aussi êtes-vous là? Bonjour et merci M. Gass de m'avoir invité dans votre émission à la télé BTV. Je suis Moudou Mbacké Diop, le vice-coordinateur de PASSE au niveau de la commune, membre de la coalition Yeyu Assembly et membre de l'intercoalition Yeyu Assembly Wallo-Sénégal. Merci Mbacké Diop. Professeur Cis, ma première question. On a observé que au sortir de ces élections, Benno Bokoyakar, votre coalition, elle souffre, elle est dans des difficultés, parce que jusqu'à présent, on n'a pas quelque chose de clair sur les résultats. Et ça, c'est une situation inédite dans l'histoire politique du Sénégal. Qu'en pensez-vous? Oui, tout naturellement, il fallait s'y attendre. Toujours en ébullition, à chaque fois qu'il y a élection, les enjeux étant... Alors, il est indéniable que l'après-élection, ça va toujours susciter beaucoup de débats, beaucoup de discussions. Mais au bout du compte, on se rendra compte que la vérité finira par jaillir et que tous les citoyens seront édifiés. Je crois que quand même c'est tout à fait normal. Un parti au pouvoir, c'est la cible de tous les partis d'opposition. C'est aussi la cible de tous les mécontents, qu'ils soient des partis d'opposition ou d'ailleurs la société civile. Pour l'essentiel, quand même, c'est acceptable pour quelqu'un quand même qui se dit républicain que la convoitise faisant que ce parti soit en tout cas pourchassé, décrié, etc., etc., malgré quand même son assise assez solide au niveau national. Ok. Chers téléspectateurs de la BTV, nous remercions notre professeur, le doyen Cis, pour la clarté de sa réponse. Maintenant, on va tourner vers Mbacké Diop. Mbacké, vous avez fait une percée extraordinaire.
Vous avez battu le maire dans son fief, notamment dans son centre de vote. Vous avez également gagné le centre de Djangé, le centre de Houma. Qu'est-ce qui fait cette percée-là? Merci, M. Baz, pour cette question. Bon, cette percée, c'est dû à un temps de travail. Vous savez que dès qu'on a sorti des locales, l'engouement était là, les gens étaient motivés de faire beaucoup de choses par rapport à notre parti. Parce qu'on a vu que les résultats qu'on avait au niveau des locales, ça a augmenté par rapport aux résultats qu'on a au niveau des élections législatives. C'est dû au travail que nous avons fait au niveau de la base. Parce que nous, au niveau de passé, on a ce qu'on appelle les cellules. Les cellules, ce sont des groupes qu'on a construits au niveau des quartiers. Il y a le responsable de cellules qui est là-bas. Après les cellules, ensuite, il y a le niveau communal qui est la section communale. Parce que dans chaque quartier, au moins, on a deux ou trois cellules dans chaque quartier. Chaque cellule peut compter 25 à 50 personnes. 50 personnes. Ces 50 personnes vont faire le travail nécessaire pour convaincre les électeurs à aller voter massivement. Et au vu que le maire qui est là, qui est le député sortant, n'a pas fait grand chose dans son fief, c'est-à-dire Rissatol, les populations qui sont là, qui sont mécontentes. C'est cet mécontentement fait que notre escort a évolué au niveau de certains quartiers comme Rissatol, Djangé, Houma. Même dans certains bureaux de vote, même dans certains centres de vote, comme le cas de Yakseba, là, l'opposition n'a jamais gagné d'avoir un seul bureau, mais cette fois-ci, l'opposition a gagné un bureau. Et si vous allez ensuite dans des zones comme Campement, Kaba, ce qui était le fief du maire, qui était le fief du député maire sortant, là-bas, on a gagné quelques bureaux là-bas. Ce qui fait que le travail qu'on avait commencé au niveau des locales, a donné ses fruits au niveau des élections législatives de cette Ok, vous avez eu ce résultat, mais sans le concours de votre leader qui vous a encore zappé. Oui, ça nous a beaucoup manqué. C'est pas il nous a pas zappé. C'est-à-dire il y a un consultant qui devait faire tirer un sort avec ses 9 départements. Il restait 2 jours à la fin de la campagne. Il était venu jusqu'à 5 000, mais il a fait un retard entre Kébémer et Louga. Il ne devait pas passer par Louga, ni Kébémer. Il devait faire directement Saint-Louis, puis Rissatol et Dagenham pour le retourner. Mais les Saint-Louisiens, les Lougatois, les Kébémerois l'ont retenu parce que tout le monde avait la nostalgie de voir le président Ousmane Sonko. Tout le monde voulait que Ousmane Sonko vienne dans sa localité. Parce que si on a constaté que dans tous les endroits où Ousmane Sonko a mis ses pieds, le résultat était positif. Dans tous les endroits du Sénégal, presque les états étaient positifs. Si Ousmane Sonko était venu à Dagana, ce serait autre chose. Merci M. Mbacké Diop, vous êtes toujours sur la BTV. Malgré la volonté du président de la République de réunir à nouveau la famille de Bennon en faisant appel aux listes parallèles, certains disent que certains d'entre eux n'ont pas mouillé le maillot. Qu'en pensez-vous? Ben, merci beaucoup. C'est avec aisance que je réponds à cette question. Et c'est là l'explication d'ailleurs de ce qu'on appelle la défection du Bennon Bokkeyakar à Rissatol. Même si nous avons gagné la commune, c'est vrai, il y a eu une percée de la liste de l'opposition. Mais M. Mbacké n'a pas bien analysé, il n'est pas allé au fond des choses. Il a pensé que c'est une progression du PASTEF. Mais loin de là, c'est la défection dans les rangs même du Bennon Bokkeyakar qui nous a conduit à cette situation. Nous, au renfort, on a alerté. Nous avons alerté depuis plusieurs mois qu'il ne fallait pas négliger les listes parallèles qui, réunies pendant les locales, ont battu le maire du Bennon Bokkeyakar, le candidat du Bennon Bokkeyakar, qui avait engrangé 6600 électeurs pour se faire élire. Mais 3 listes parallèles à Rissatol, celle de Khalil Diop, celle de Ousmane Lom, accompagné de Louis Lamotte, et celle de Ibafal Diaw, vous réunissez le score, ça vous fait 8000 et quelques voix. Et ils sont tous du Bennon Bokkeyakar. Donc nous avons travaillé de telle sorte que ces gens-là puissent au moins trouver en tout cas un certain engouement à rejoindre les rangs du Bennon Bokkeyakar. Malheureusement, peut-être le coaching a été mal fait et cela s'est répercuté au niveau du résultat pendant les élections. J'en veux pour preuve le fait que de 6600 électeurs engrangés par le candidat officiel du Bennon Bokkeyakar au local, M. Mam Diop, le Dr Amadou Mam Diop, au sorti de ces législatives,
où nous attendions 8000 électeurs du Benno Boko Yakar qui figuraient parmi les listes, dans les listes parallèles. Alors là où vous attendiez 8000 électeurs, au sorti de local, vous vous rendez compte que vous êtes à 7200 électeurs globalement. Ça veut dire que ces listes parallèles qui avaient engrangé plus de 8000 électeurs, aujourd'hui n'ont apporté au Benno Boko Yakar que 700 électeurs. Et de la même façon, si vous faites une analyse scientifique de la situation, vous vous rendrez compte que le candidat du PASTEF pendant les élections locales avait engrangé 1600 voix à Richard, 1600 voix. Et aujourd'hui, il se retrouve avec 5700 voix. Donc ça veut dire tout simplement que le report de voix des listes parallèles s'est fait en faveur du mouvement, sous l'appelons la coalition Yehui Askanui. Donc c'est un report de voix. Et nous avons fait beaucoup de spots publicitaires dans ce sens-là. Attention au vote sanction, attention au boycott. Ça, on a toujours attiré l'attention. C'est pourquoi, à la veille des élections, je ne sais pas si vous avez eu à écouter mon audio que j'ai balancé dans le réseau, pour attaquer tous les leaders qui ont prétendu avoir rejoint les rangs, malheureusement, qui n'ont pas battu campagne à Richard Toll. Moi, je les ai fustigés, je suis très déçu. Pendant toute la durée de la campagne, on ne vous sentait pas sur le terrain. Il y en a qui ont mis les pieds à Richard Toll 2 ou 3 jours avant les élections. Justement, vous avez un nouveau mouvement, porté par M. Aliou Sall, frère du président de la République, Renfort, qui était venu justement renforcer Benno Boko Yakar. Oui. Aujourd'hui, quel est l'impact, l'impact que vous constatez? Parce qu'on dit que vous aussi, vous avez perdu votre fief au niveau de Houma. Mais l'impact que nous avons, c'est d'abord d'avoir pu garder quelqu'un comme M. Sis dans les rangs du Benno Boko Yakar. Moi, je n'étais pas membre du Benno Boko Yakar. J'ai eu pendant 7 ans à appuyer la politique du maire en tant que conseiller municipal. Je rappelle que je le suis depuis 1996 à Richard Toll, donc acteur politique de première ligne. Alors, concours de circonstances, maintenant nous avons intégré le Benno Boko Yakar pour continuer à faire bénéficier Richard Toll de l'apport positif que le maire a eu à vraiment apporter à cette ville-là pendant 7 ans. Beaucoup d'avancées quand même, ça, c'est indéniable. Et puis c'est criard. Alors, donc c'est à ce niveau-là maintenant, j'ai mouillé le maillot. Donc on vous dira que Sis a été un des tout premiers acteurs à faire réélire le maire. Mais lui était le renfort. Vous ne me reverrez pas dans les rangs du Benno Boko Yakar pendant ces élections. Donc, la preuve, je ne suis pas allé derrière le maire pour battre campagne dans les quartiers, mais j'ai réuni avec mes camarades, nous avons réuni donc le staff du Benno Boko Yakar, nos militants, pour faire nos proximités. Et nous avons même organisé un meeting de mobilisation et de soutien au président de la République à Houma. Aliou Sall vous a-t-il donné des moyens? Non, Aliou Sall, vous savez, le mouvement renfort, d'abord, c'est une question de conviction. Nous avons fait appel aux républicains, aux citoyens, les gens qui analysent avec objectivité la situation du pays et qui sont prêts à prendre part à un combat qui permettrait de lui éviter en tout cas des dérapages. Merci beaucoup, professeur Sis. Je vous rappelle que vous êtes toujours sur votre émission d'équipage sur la BTV Richard Toll. Mbacké Diop, avez-vous enclenché le début de la fin du régime de Macky Sall? Tout à fait, c'est le début de la fin du président Macky Sall. Parce que vu les résultats que nous avons, nous, au niveau de Yehui Askanui, au niveau de l'école, on n'avait que 1600 voix. On a plus de 5000 voix. Ces 5000 voix, c'est dû à un long travail, à un long maillage que nous avons fait au niveau des quartiers. Parce que n'oubliez pas que Richard Toll est composé de 14 quartiers. Ces 14 quartiers sont réunis autour de Yehui Askanui. Yehui Askanui plus Wallou Sénégal. Wallou Sénégal, c'est PDS plus ses alliés. Yehui Askanui, c'est passé plus les autres partis, BUR et ainsi de suite. Notre candidat qui était membre de BUR, qui était placé à la dernière position sur la liste nationale, qui est de Ndombo, et les autres candidats, à savoir Madame Sek et l'autre qui est au niveau de Kampo. Au niveau de Rosbecho. On a fait énormément de travail pour que ces gens-là puissent se sentir aisés à Richard Toll. C'est pourquoi le résultat de Richard Toll a percé beaucoup. On a perdu peut-être dans les autres communes
Justement, on avait averti la veille des élections. On avait personnellement dit sur notre site de surveiller les villes de Richardson et de Respecteur qui sont sensibles et révolutionnaires. Comment expliquez-vous votre résultat assez satisfaisant au niveau de Rosso-Bekia où il y a Fally Seck qui fait de grands shows lui aussi? Oui, c'est comme ce qui se passe à Richardson. Parce que Fally Seck est un membre de PASSEF. Et c'est de la côté de PASSEF, c'est partout au Sénégal. Fally Seck, membre de Benno. Membre de Benno, mais il est en. Il y a eu Askan lui. Bon, le travail qu'on fait à Richardson, c'est le même travail qu'on fait à Rosso-Bekia. À Rosso-Bekia. C'est le même travail qu'on fait à Nid, à Diamant, ainsi de suite. Parce que c'est le même travail. On se déplace dans les 11 communes de Richardson, même à Dagana, on se déplace partout. Si chaque week-end, les samedis et dimanches, on se déplace au moins pour faire des réunions dans les quartiers, dans les cellules, voir les bâtiments, les associations féminines, les associations sportives, ainsi de suite, les jeunes, les femmes, pour leur montrer que comme la politique que nous voulons mettre à Richardson, plus particulièrement dans le département de Dagana. Parce que n'oubliez pas que le département de Dagana, c'est un département stratégique dans l'économie du Sénégal. Si le Sénégal, si le président de la République Macky Sall avait une grande vision, Dagana n'allait pas être aujourd'hui. Vous faites un discours anti-système, discours révolutionnaire qui va changer les choses. Et malheureusement, on a observé que vous êtes en train de collaborer avec les anciens régimes. Vous êtes en train également de collaborer même avec des anciens qui ont quitté Macky Sall comme Marito Niam. Bon, est-ce que vous êtes différent des autres? Non, c'est pas le discours anti-système. Nous, on se dit que si ce que nous voulons faire se trouve dans Moussa Dissiki et dans l'autre partie, pour que le Sénégal puisse avancer, on va le récupérer. Parce que nous sommes tous des Sénégalais. Et tous les Sénégalais ont leur mot à dire sur le développement du Sénégal. Merci, Monsieur Mbaké. Monsieur Siss, oui. Trouvez-vous le discours de PASTEF assez cohérent? Non, lui-même, il n'est pas très cohérent avec lui-même. Parce que en fait, pas conséquent du tout. Je veux dire que si vous faites bien la lecture de l'implantation politique au niveau de la zone géographique Richardson, comme on dit, vous vous rendez compte que le PASTEF est presque inexistant. On ne les sent pas. Lui, c'est la première fois que je le vois ici dans ce studio. Il y a un certain Abdou Khadr Fofana, avec qui j'ai eu à échanger dans les studios de la radio Dounia en son temps, mais depuis là, on n'entend plus parler de lui. Donc, cette organisation-là, franchement, on ne la sent pas à Richardson. Mais je crois, lui, quand même, par humilité, il faudrait qu'on fasse doucement et qu'on accepte quand même que la lecture, je disais tout à l'heure scientifique, mais je reviens pour dire arithmétique des résultats, devrait les tempérer parce que ça prouve que c'est le Benno Bokoyaka que nous renforts avons toujours pris comme ennemi de Benno Bokoyaka. Vous avez vu nos publications, c'est à ce niveau-là véritablement qu'il y a eu ce qu'on appelle cette percée de Yewi Askan Wi. Mais vous êtes dans un conflit fratricide. Est-ce que vous êtes dans un conflit fratricide à quel niveau? Au niveau de Benno Bokoyaka, vous n'êtes pas d'accord avec vous-même. Est-ce que vous espérez arriver à la fin de ce conflit-là pour finalement se retrouver et donner satisfaction au président Sall? Moi, j'ai espoir que d'une élection à une autre, il y a toujours un concours de circonstances qui fait que les cartes sont rebolotées, comme on dit. Alors, dans ce cas de figure, je suis convaincu qu'avant 2024, le Benno Bokoyaka va se remettre et assurer largement, en tout cas, cette victoire de 2024 telle qu'elle a toujours réussi au niveau du Sénégal. Ça, c'est ma conviction. Vous êtes toujours sur la BTV. Monsieur Mbaké, comment trouvez-vous l'avenir de Sonko et celui de Macky Sall? Va-t-il renoncer au troisième mandat? Ou bien il ne l'a jamais dit? Ou bien croyez-vous qu'il va forcer? Avant de répondre à votre question, je vais répondre à Monsieur Siss. Monsieur Siss, c'est la première fois qu'on se voit. D'accord, ça c'est vrai. Mais Abdou Khadr, c'est le coordinateur de la commune de Richardson. Je suis son adjoint. Si vous voyez Abdou Khadr, c'est que vous voyez PASSEF. PASSEF et tout, il existe. Si PASSEF n'existait pas, on n'aurait pas fait ces résultats au niveau de la CAL et autres, les résultats au niveau des législatives.
Vous. Non, 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 c'est-à-dire, je voulais nuancer. Vous, votre leader, Alim Sall, a été battu dans son fief. Comment qualifier, comment vous pouvez dire que nous, Arisa Tor, parce que ça n'existe pas, alors que votre leader a lamenté deux fois au local et au législatif. Mais revenir à votre question. Le débat, ce n'est pas Guédio Baye. Nous, le renfort, c'est un mouvement national qui a été créé à Kaolack. Le débat, c'est pas passé. Maintenant, par une. Mais aussi par. Voilà, c'est ça que je voulais souligner. Quand... Le débat, c'est pas passé. Non, ne vous accaparez pas du résultat comme pastef. C'est Yewi Askanui. Voilà, il faut. Membre de Yewi Askanui était la dernière coalition. Voilà, c'est ça que j'attendais de toi. C'est Yewi Askanui. Nous connaissons les socialistes à Richard, les amis de Khalifa Sall, qui sont influents. Nous connaissons les Moustarchidines qui vous ont accompagné. Je connais le réseau. Notre candidat du Sud, le président. Au local, notre candidat du Sud, des Khalifa. Donc ne minore pas. Nous les pacifiens, on n'a pas de candidat. Un candidat qui est issu. Soit. Ah voilà. On a deux candidats, mais ils sont aussi suppléants. Mariam Diamanka est de passé. Ibrahim Mboy est de passé, mais ils sont aussi suppléants. Les deux candidats, ce sont des. Les buts. Êtes-vous satisfait de la performance de votre candidate? Si c'était pastef, est-ce que vous n'auriez pas mieux fait? On est très content de sa performance parce que c'est une première, c'est une dame et qu'on en fait honneur aux bonnes dames. Nos deux têtes de liste. C'est une dame qui a été ici, Madame Sec. Elle a fait un travail colossal au niveau du département. Voilà. Mariama Diamanka, sa suppléante, elle a fait un travail. L'avenir de Sonko et de Macky Sall. L'avenir de Sonko et de Macky Sall. Bon, en 2024, on sait que Macky Sall ne pourra pas se présenter à une troisième mandat. Même s'il présente, il va être battu. Ce sont les élections de 2022 non prouvées au niveau local et au niveau législatif. Monsieur Sis, le troisième mandat ou l'option du troisième. Vous savez, depuis presque 8 mois, il y avait un débat. Et les docteurs Sec, l'inspecteur Si, et même intervenu parfois, beaucoup d'intellectuels, on a posé ce débat-là au niveau de nos groupes WhatsApp. Mais en fait, à mon avis, hein, à mon humble avis, et conformément à la constitution du Sénégal, 2024 pour Macky Sall, on ne doit pas parler de troisième mandat. C'est un deuxième mandat constitutionnel. Ça, je le sais. Tu le sais. Mais vous avez oublié l'article 27. Mais Abdallah l'a fait et il est passé. Écoutez. Vous avez oublié l'article 27. Qui dit que nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. De combien d'années? C'est Macky Sall qui l'a dit. Et il l'a répété. Vous pour à une fois. Vous personnellement. En Wolof. Vous dit qu'il y a de la carte. Êtes-vous pour ou contre un troisième mandat présumé? Un mandat plus 2, ça fait 2. Un troisième mandat conformément à la constitution. La durée ne compte pas. On a dit que 2 mandats. On n'a pas dit la durée. Si on a dit 2 mandats de durée de 5 ans, ou bien 2 mandats de durée de 7 ans, là on aurait mis d'accord avec lui. Ok, professeur va répondre. Bon, monsieur, il faudra revoir ces textes-là. L'article parle de 2 mandats constitutifs de 5 ans. Nul ne peut plus faire au Sénégal plus de deux mandats consécutifs de 5 ans. Bon, écoutez, l'autre élément maintenant, votre leader, dans le YouTube, je crois que le message n'a pas encore disparu. Ousmane Sonko a eu à se prononcer sur cette question. Lui-même, il a dit qu'à l'heure actuelle, à la constitution du Sénégal, à l'heure actuelle, n'a pas réglé la question du troisième mandat. Et vous voulez régler la question du troisième mandat? Mais la parole du président. Non, je parle de votre leader. La parole du président est sacrée. Donc c'est ça que vous voulez dire. Elle n'a pas plus d'importance pour toi. Au Sénégal et à l'étranger. Dans une interview sur France 24. Ça, je vais revenir à ça, mon on frère. On va aborder un autre point. Je dis encore une fois. Aujourd'hui, Barthélémy Diaz va certainement s'imposer comme un leader au niveau de l'Assemblée nationale. Donc voilà, chers téléspectateurs de BTV, vous êtes toujours sur votre émission Décryptage qui a pour invité le professeur Sis et M. Mbacke Diop qui représentent ici le PASSEF. Sis représentant renfort dirigé par Alif Sall. Aujourd'hui, vous avez eu droit à une émission de haute facture, c'est certainement dû au niveau intellectuel de nos invités. Monsieur Sis, oui. Est-ce qu'il y a un point qui vous tient à cœur, surtout sur la politique locale? Oui, au niveau local, je crois qu'il faut revoir... En fait, politiquement, je veux dire, il faut revoir en tout cas la façon de faire fonctionner le Beno Boko Yakar à Richardton. Parce qu'il est inadmissible que des cadres issus du même parti
alors puissent se sentir aussi mal à l'aise au point que leurs militants puissent déverser, en tout cas, dans le rang de l'opposition. Vous avez frôlé la défaite. Est-ce que votre leader, le coordonnateur Mame Diop, semble percevoir le message? Bon, nous n'avons pas frôlé la défaite. On a eu la défaite dans certains quartiers, mais avec plus de 1000 voix de différence par rapport à leur liste. 50%. Hein? Oui, 50%, c'est fort honorable quand même, mais par rapport aux autres communes. Mm-hmm. Donc, je me dis tout simplement qu'il faut revoir la gestion du Benobok Yakar Arichatol. Depuis 2012, malheureusement, c'est une seule personne qui est là, alors qu'il semble être le chouchou aussi de la fin, du parti au sommet, et ce qui fait que ça crée des frustrations au niveau de la base. Donc tous ces leaders de la base qui devraient se sentir à l'aise et qui sont mobilisateurs, plus mobilisateurs d'ailleurs que le responsable actuel, ces gens-là, il faudra quand même leur trouver la possibilité de se sentir à l'aise et de continuer à travailler pour le président de la République. Malheureusement, c'est ça qui est à l'origine de cette défection, de ce report de voix dont a bénéficié le Yewe Askanui à Richard Thor. Il n'y a pas d'autres explications. Monsieur Mbacke Diop, ne sentez-vous pas que les anses ont peur du pastef? Non, les gens n'ont pas peur du pastef. Si les gens ont peur du pastef, on ne peut pas avoir ces résultats au niveau local et au niveau national. Parce que vous avez quand vous mentionnez ça avec les CDM, il est à l'Assemblée nationale par l'IFORES. Aux élections de 2019, avec 15%. Actuellement, si Yen Askan ou l'intercoalition Yen et Wallou, le résultat que nous avons, c'est dit à Ousmane Sonko. C'est dit à Ousmane Sonko. Parce que tous les leaders de l'intercoalition, ça peut être Ousmane Sonko pèse lourd. C'est pas pour rien, mais c'est eux qui disent que Ousmane Sonko c'est le leader de l'intercoalition. Justement, à propos de l'intercoalition, professeur, croyez-vous que cette intercoalition allait moins de garder son groupe? Parce que je vous ai entendu parler de reconfiguration avec des calculs politiques ou politiciens. Mais lui-même, il manque de respect au guide des Moustarchidines, dont l'apport est minoré, parce qu'il dit que c'est grâce à Ousmane Sonko qu'ils ont obtenu ce résultat-là. Il manque de respect à Khalifa Sall et à ses hommes en mettant en avant le leader du PASTEF comme étant à l'origine de ce résultat-là. Mais moi, je peux dire qu'à Richard Thor, nous connaissons mieux les hommes de Khalifa Sall que les hommes de Ousmane Sonko. Donc ça, je crois qu'il faudrait revoir un peu cette façon aussi de caricaturer les autres leaders. Vous êtes en train de les diviser. Maintenant, vous tentez de les diviser. Non, c'est... Je le prends au mot... Je le prends au mot. Ça y est. Un autre membre. Oui. Votre leader, Aliou Sall. Non. Ne perds pas ton temps avec Aliou Sall. Nous parlons de Benobok Yakar. Okay, nous parlons de. Vous voulez un an, de législative. Allez-y, après il va répondre. Pas qu'à vous allez répondre. Ça n'a rien. Nous, au niveau de Yewe Askanui, au niveau de Wallou, l'intercoalition. Les moyens que vous avez déployés, nous, on n'a pas déployé ces moyens. Où ça? On les a déployés où? Dans le département de... Tu as vu des moyens déployés ici à Richard Thor? Oui. Par qui? Après les élections. Il y a quelqu'un qui fait le tour des mosquées et qui distribue des millions. Et vous le connaissez certainement. Non, je ne le connais pas. Ce que je peux te dire, nous sommes en studio. Richard Thor est en train de me suivre. Mes amis du renfort aussi. Le meeting que nous avons organisé à Houma-Sanki. Je jure la main sur le Coran, il n'y a pas un seul franc provenant de Aliou Sall. La direction du parti n'a pas versé un franc pour ça. C'est moi qui ai mis la main dans la poche, les membres du directoire et les militants. Nous avons cotisé pour organiser ce meeting-là. Vous aussi, vous avez des moyens parce que la population cotise pour vous. Donc, Benobok Yakar et Renfort, c'est différent. Non, vous dites que... C'est différent. Vous dites que... Non, je vous pose la question. Oui. Benobok et Renfort, c'est différent. C'est comme si tu me disais Benno et Parti Socialiste, c'est différent. Non, Benno et Renfort. Ou Benno et Réuni, c'est différent. Vous avez dit que... Non, répondez à votre question. Pour le Renfort, vous n'avez pas reçu d'argent. Mais au niveau de Benno, vous avez reçu d'argent. Donc, l'argent coule sur Benno, mais à pas sur Renfort. Pourquoi Aliou Sall a visé à ce mouvement? Mais si nous avons... Il y a les populations qui cotisent pour vous. Vous reconnaissez ça? La population? Il y a certains qui cotisent pour vous. Vous faites des télétons au niveau... Non, pas des télétons. Kati, je ne sais pas. Nous, c'est la politique autrement. C'est le don de soi. Ok. C'est le don de soi, c'est la politique autrement. Auparavant, les partis politiques allaient chercher de l'argent dans les bailleurs, dans les domaines.
pour financer des campagnes. Mais vous avez lancé une campagne internationale pour financer votre parti aussi. C'est le don de soi. C'est le don de soi. Au niveau international. Voilà, pas que je vous reviens pour votre dernier mot. Professeur, oui. Votre dernier mot sur la BTV. Ben, remercier la BTV, la BTV, Bababé TV. TV. Pour nous avoir donné l'honneur, comme l'occasion, et nous fait, avoir fait l'honneur d'être dans ces studios pour nous exprimer sur la situation politique au Sénégal. C'est tout un honneur pour nous. Et je ne terminerai pas sans féliciter le jeune qui est à côté de moi. Ça fait toujours un plaisir aussi de débattre avec les jeunes parce que je les encourage partout à prendre leur place dans le concert politique, dans le jeu politique du Sénégal. Pour l'essentiel, ce sont nos enfants. Ce sont nos anciens élèves, vous en savez quelque chose. Mmh. Et à les entendre parler comme ça, on sent que quand même, c'est des jeunes leaders en perspective. Exactement. Vraiment, soyez-en remerciés et félicités. Bakary Diop, votre dernier mot. Bon, je vous remercie, de m'avoir donné l'opportunité de découvrir votre studio, votre télé, et de vous encourager beaucoup. Je remercie mon père. Merci mon beaucoup. C'est avec plaisir de partager ce moment avec vous. Merci beaucoup. Ensuite, je remercie tous les militants et sympathisants de la coalition, de l'intercoalition Yewi Askan, ceux qui ont donné leur voix à cette coalition et ces résultats que nous avons dans le niveau du département, même au niveau national. Je remercie et je remercie encore notre directrice de campagne, Yacine Fall, et les trois candidats qui étaient investis, mais malheureusement, on a que. Qui est passé, c'est Rawa, Moussa Yagui de Mlombo. Je le félicite beaucoup à travers cet écran et je dis merci beaucoup à vous tous. Voilà, chers amis téléspectateurs de BTV, Richard Toll, c'était votre émission Décryptage qui avait l'insigne honneur de recevoir le professeur Cisse et Monsieur Mbacké Diop. Professeur Cisse qui représente Renfort et Mbacké Diop qui représente l'opposition, c'est-à-dire le PASTEF. Cette émission a été d'une haute facture, le débat a été houleux mais responsable. C'est la première fois qu'on a ce genre d'invité. Pour passer à la BTV, donc composez le numéro qui s'affiche derrière l'écran. À très bientôt, Inch'Allah. Merci à notre technicien Rasoul Keita. خطبول خافي خيني بين المشريح يالين جن يالين بكيري ساتول سال بو بيس بني لوي في تي غاي 2 سالو خليفة أبا بكر غير سين سيمينير سيني رينيو سيني كونفرانس سيني فيت سال بناك منا عندك ريستوراسيون اك ايبرزمان غير سين غان يو تابو سال بي امنا سونوريزاسيون ام ويفي ام فيديو بروجيكتور ام كاميرا ngir couverture médiatique sen événement so len ko soxla rek contacté le 78 606 27 48 Kay len ñu and liggéey suñu dëkk.